Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faute Antique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pellicule que j'ai faite donc avec mon Pentax Super A, que je n'ai pas avec moi pour l'instant, et avec le 40 mm, que je n'ai pas non plus avec moi. Par contre, j'ai fait quelques photos au ND4000 avec. J'en parlerai plus en détail quand je le testerai sur le Ricoh GR en numérique, mais pour l'instant, vous verrez quelques photos. Le but de cet épisode, c'est une pellicule qui était fabriquée en ex-Yougoslavie, qui était la EFK 50 ISO, qui était construite par Photomica. C'est la première fois que je l'utilise, et sûrement la dernière fois, parce qu'elles deviennent vraiment introuvables, malheureusement. C'est pas ma première expérience en 50 ISO, mais j'en ai quand même pas eu beaucoup. C'est ma première expérience de pellicule 50 ISO avec un ND4000. Donc j'ai fait quelques photos à Paris, toute une petite série. Je suis content du résultat quasiment partout, que ce soit en pose rapide ou pose longue. Donc voilà, la balade que j'ai faite à Paris avec. C'est une pellicule sympa. J'ai eu un petit peu peur au développement, donc je l'ai développée en stand dev avec du Rodinal de chez Adox. De l'APH09 exactement, donc une heure avec 20 retournements au début, 10 retournements à la fin et donc 5 ml dans la cuve. Au niveau du développement, donc j'ai fait le pré-mouillage au départ, ça a sorti un espèce de truc vert, donc je suis habitué, il y a différentes pellicules, ça peut sortir du bleu, du rose, du vert. C'était très vert, mais bon ben voilà, je me suis pas inquiété plus que ça. J'ai mis mon révélateur, j'ai rempli la cuve d'eau. Une fois que j'ai retiré donc à la fin mon révélateur, j'ai eu peur. J'ai eu un espèce de... Enfin, le révélateur est sorti rose. Donc je me suis dit, oula, c'est terminé, j'ai la gélatine qui est partie. Donc j'ai un peu paniqué, j'ai un peu mis mon fixateur un peu n'importe comment. Au final, non, il n'y a eu aucun souci, ça doit être normal. Je sais pas d'où ça vient, c'est la première fois qu'en sortant... ma pellicule, j'ai cette espèce de liquide rose dans l'évier. Bon, c'est pas grave, j'ai un résultat quand même correct à la fin. Au scanner, ça donne bien. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Faute Antique. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide à me référencer et à avoir plus d'abonnés. À très bientôt !